On va te ressaper, frérot. Putain, regardez à qui. Connasse. Le seul petit qui est pas petit, moi. Il est tout gros. Mais attendez, mais il fallait pas être un frère. Non, Yassine, tu vas être beau aujourd'hui, frère. C'est en noir ou en bleu marine? Noir, ça passe partout. Les deux, si tu veux. C'est pour moi. Faut pas que tu t'enlèves comme ça, ça fait blague que je remette. On est des voleurs ou quoi? Paye avec ta carte. Montre-moi la jeunesse avec la vieillesse. Attends doucement toi. Elle est là la jeunesse. Comment vous allez les amis? On va où en fait là? On va relooker Yassine. Ben, attends, on monte la game day d'abord. Jogging Nike, une petite veste. Après on change. PSG. PSG. Et PSG. Et PSG, ok. Ouais, carré. C'est très, hein, très archaïque, on va dire. Hein. Très précaire. Mais voilà, j'avance, au moins il fait froid, mais quand on va te relooker, on va pas t'acheter 8 couches. Hein. Ah non, je sais. Tu vas avoir froid, mon gars. Non, mais t'inquiète, je vais mettre ça. Ça veut dire là, qu'est-ce qu'on va, on va te ressaper, frérot. Ouais. Et si on a le temps, je pense pas qu'on aura le temps, on va même te coiffer aussi. Non, touche pas à mes cheveux. Pourquoi? C'est mieux. Je sais pas, j'ai envie d'essayer le projet cheveux après. Si tu me fais le mec sous projet. Hein. Je coupe. Mais t'es fou quoi, on a appelé un barbare nous pour te les couper. Présente-toi, frérot, pour ceux qui te connaissent pas en fait. Je m'appelle Yacine, j'ai 14 ans. T'as un viewer de la Wesh TV depuis quand? Je sais pas, depuis 8 mois, je crois. Les gars, lui, c'est AVS, Wesh, Yas BT, Yacine, le chômeur. Il est dans toutes les communautés en même temps. Arabe. C'est qui? Wesh, t'es ouf, oh, toi. Là. Ouais, tu veux que je te pèse? T'as GLS aussi dans ton blaze, non? Ouais. Et tonton Galsen? Non, mais oui, tonton Galsen. Bah voilà, donc t'es pas que les Arabes. Non, je suis africain. Voilà. Oh là là, mais c'est. Wesh, qu'est-ce que t'as, frère? Dis que t'aimes bien les créateurs de contenu, que c'est. Qu'est-ce que t'as, tout le temps, mais dans les cases, voilà, arrête de mettre dans les cases. Ça me fait pas croire que t'as jamais regardé un live de Squeezie. Ah, si, j'aime. Bah voilà, alors voilà, t'es en train de nous faire le pan africain. Ne t'enfermez pas, Yacine, ne t'enfermez pas. Arrête de t'enfermer, ouvre-toi. C'est ouf, Kadhafi. Si tu t'enfermes, frérot, tu veux t'enfermer. Nous fais le pan africain. Du coup, les gars, c'est quoi le dispositif? Qui se met derrière, qui se met devant, qui va être où? Tu conduis. Moi, je les gars, moi je vais conduire, je calcule pas aujourd'hui, je suis le pilote. Moi, ça met si veut. Putain, je m'attends, je vais le dire. On explique le contexte dans ce live. Il y a un contexte dans ce live. C'est quoi, vas-y, dis-nous. Le contexte, c'est qu'ils ont choisi un vidéo. On va aller me relooker. C'est-à-dire, on va aller me changer. À quelle occasion, si vous voulez. On s'en cool. Bah oui, bien sûr. Ah, les cons là, les pieds là. Les gars, il y a un peu de brouhaha devant, mais vas-y, excuse-moi. Sans vous, sans les subgoals, je serai pas ici. Avec la Wesh TV, donc je vous remercie. Qu'est-ce que ça te fait de voir une star à côté de toi? Ah, je te veux des sensations, frérot. T'as des sensations? Ouais, ouais. Non, regarde là, tu sais quoi? Que quand on est à la Paragamsic, arrête de briquer à chaque fois que je me fais un mouvement de bras, je vais te frapper, petit frère. Mais quand on est à la Paragamsic, il était tout heureux. Là, il est pas heureux, frère. Ça, voilà, je suis heureux. On est devenu banal pour lui. T'as pas vu, je suis venu, j'ai souri. Non, mon gars, t'es devenu banal pour toi. Hier, quand je te serrais là. À l'époque, je faisais pas de la TikTok. Il est là, le petit bout de sous, les gars. Il était heureux de quoi? Quand je suis venu, quand je t'ai serré la main, j'étais pas souri. Si, tu m'as souri. C'est parce que je suis gêné, ou tu cherches pas, je sais pas, je suis en présence des stars, t'as vu? T'es pas à l'aise. Ah, frérot, on est pas des stars. Je le dis. Là, on va commencer à. Là, on est à l'arrêt. Là, s'il y a Julien, le modérateur de Twitch, là, on est à l'arrêt. On s'apprête à démarrer. Hamza, il ne quittera jamais la route des yeux. Regarde pas, c'est que la route. Quand il va démarrer, ce sera que la route. Regardez, je suis sous frein à main. Regardez, frein à main là. Je suis sous frein à main. Ceinture. Monte le frein à main. Montre le frein à main, il est levé. Il bat. Il bat le frein à main. Là, on peut pas bouger tellement. Allez, les gars. Arrêtez de faire vos allusions, vos blagues là de ouais, de elle ment très bien ma gueule. Voilà, on arrête. La ceinture, la jeunesse. Tout le monde, la ceinture. Hein. On est en présence de la jeunesse. La ceinture, le voilà, frein à main. Là, la boîte de vitesse, point mort. Point mort, on bouge pas. On bouge pas. On bouge pas. Et dès que je démarre, dès que j'y vais, je touche plus, j'aurai plus le chat, j'aurai pas le téléphone, je suis focus sur ma route. Focus. Allez, c'est parti. Je veux voir le chat moi. Tiens ça. Je veux le voir moi le chat. Parce que le chat, les gars, comme je dis. C'est l'essence de Twitch. Exactement. Et c'est pas parce qu'on est en voiture que je parle d'essence. Pas mal le jeu de mots. Pas mal hein. Check-moi ça. La jeunesse. Check-moi ça la jeunesse. D'ailleurs, c'est comment les. Toi, t'es un mec des chômeurs de base. Ouais. Faisons des questions, faisons la FAQ de Yacine. Vas-y. C'était qui le chômeur que tu gagnais tout le temps? Jamel et Deku. Yaiwait aussi. Big dédicace à eux, on les aime les frérots. Et tu t'allais des fois dans les lives de Van Dyke et Patachik? Ouais. Tu mets bien Van Dyke et Patachik? Oh putain, regardez à qui! Allez, chef! Tu vois? Mais pourquoi tu dis aïe aïe aïe? Oh là, tu crois que t'as quelque chose sur toi ou quoi, petit frère? Non, mais. Non, on va. Je suis là, peur, Yacine. Laisse, tranquille, t'inquiète. Moi, je suis Yacine, tranquille, frère. Oula! T'inquiète, on va se faire arrêter. Du coup, Van Dyke, ça t'a fait quoi quand t'as appris qu'ils ont arrêté Twitch? Bah, j'étais déçu, frère. Et moi, j'ai une question. Ouais. Comment t'as découvert la Wesh TV? Sur les lives, sur TikTok. J'ai découvert la Wesh TV, sans mentir, bien sûr, grâce à un voiture. Ok. Allez, sors de la voiture.
Ouf, toi, merci. C'était quand? C'était comment? C'était quand? À quelle occasion? À quelle occasion? Bah, dans un stream normal. Ouais. Oui, il avait rien à acheter. Non, je crois qu'il y avait Hamza sur son stream. Et je te mens pas, sans faire sucer, gros, j'ai bien rigolé. T'as bien rigolé, hein. T'as pas obligé de préciser ça, frérot. Tu peux dire que t'as bien rigolé. On a plus le droit de dire qu'on rigole. On a plus le droit de dire qu'on rigole, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il a mis la chaîne derrière OHTV, je suis parti. J'ai découvert et c'est parti, hein. Et là, c'est parti. La fame est partie. La fame est partie, hein. La fame, hein. Leak l'adresse. Là, on va où, là, en fait, les gars? On va au centre commercial, les gars. Pour relooker le petit frère. Là, dis-le, t'es une star, là, au collège. Tu branches des meufs au collège, là. J'aimerais, mais non. Pourquoi tu branches pas? Branche un peu. C'est pour EVA. Voilà, j'aime bien cette mentale. Mais c'est qui ce petit là? Le brevet il a bien, ça c'est la vraie jeunesse. Les gars, petit par l'âge, pas par le mental, moi je vous le dis ce gamin. La vraie jeunesse les gars, petit par l'âge, grand par le... Par le mental. Par le mantra, hein, oh. Grand, petit par l'âge, grand par le savoir. Et grand par la taille aussi. Il est grand, il est grand comme enfant. Il est grand comme enfant. Là t'imagines quoi, de relooker comment? Ensemble, hein. Un ensemble, un survêt? Ouais. Bah non, frérot, tu mérites. Ah, t'abaisse pas à ça, frérot. C'est pas à ça. Là, ce sera pour les grandes, ce sera pour les grandes occasions là. Comment tu vas t'habiller? Déjà, je veux combien de tenues déjà? On va pas t'acheter un jean, on va t'acheter un pantalon qui fait habiller. Père un peu, t'as une paire de choses là ou pas? J'ai une petite Nike, hein. Oula, enlève ton crâne vite fait. C'est Jordan, frérot. C'est Jordan, ça, frérot. Oula, tu m'as dit que t'as des frères et sœurs. Ouais. Parce que vu que t'es le plus petit, ils t'aident pour t'habiller. Ils disent comment t'habiller, ils disent quoi? Moi, parfois, c'est mon frère qui m'aide à m'habiller, mais quand il est pas là, je m'habille au hasard, tu vois. En fait, tant que je... Mais comment ça, il t'aide à t'habiller? Bah, c'est ses sœurs qui lui disent, tiens, mets ça. Ouais, mais, exactement. Mais c'est pas normal, ça, par contre. Non, mais genre, pas ils m'aident, mais ils me disent, ouais, tiens, avec ça, tu serais mieux. Ouais, voilà, t'as des conseils. Exactement. De grand frère ou de grande sœur. La base, quoi. Voilà. Et du coup, t'as, là, si tu imagines que ça t'arrive des fois de sortir avec tes sœurs? Non. Ou avec ton frère? Ouais. Si tu sors avec ton frère et... Bah, mais moi, tu sors avec ton frère et tu t'habilles comme ça, il va rien dire. Ouais, il va rien dire, mais par exemple, si on va manger dans un petit restaurant et toi, ouais. Là, je dois m'habiller classe. Ah, ouais, excusez-moi. Un peu là. Classe, hein. Ah, il doit s'habiller classe. Parce que les gars, les petits jeunes, ils ont la classe, mine de rien. Quand tu vas en cours, c'est vrai ça. Un petit cargo avec une petite chemise, hein. C'est vrai, chemise. Ouais. Une chemise. Mais en fait, les gars, on a pas besoin de le relooker en fait. C'est la classe. Ah, relookez-moi, les gars. Non, les gars, mais toi, du coup, pour tous les haters qui disent que vas-y, la Wesh TV, depuis qu'il y a des habits, ça calcule plus les gens. Je vais t'expliquer quelque personne dit ça. S'il y a des haters, c'est que vous avez réussi. Mais ce petit, il a réponse à tout en fait. Donc. La Wesh TV dans la vraie vie, du coup. Ouais, mais j'aime pas, moi je suis pas trop fan de cette réponse. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire, du coup, il y a des gens que ça leur déplaît ce qu'on fait et on continue de faire parce qu'on s'en bat les couilles, genre. Parce que maintenant, on a. C'est vrai aussi ça. Faut toujours prendre en considération ce que disent les gens. Si on est là, c'est grâce aux gens qui nous regardent déjà. C'est vrai, mais les haters, Samy, c'est pas ceux qui disent des choses gentiment. Par exemple, ils vont dire, ouais, la Wesh TV, c'est de la merde, tu vois, des trucs comme ça. Bah, si, ils trouvent ça. Bah, il y a des mecs, c'était. Non, mais les gars, je peux dire un truc. Ouais. Même si je suis à l'arrêt. Non, juste conduire. On n'a pas d'haters quand même, alhamdoulilah. Ouais, ça va. Non, mais il y a même des gens. Ok, mais il y a des gens, c'est des anciens viewers, ils reviennent juste parce qu'ils regardent plus le live. Parce que c'est normal, des fois t'as une période Twitch, des fois t'as plus la période Twitch, ils vont venir et dire, ah, mais les lives maintenant c'est devenu de la merde. Hein. Ah, moi je suis un mec, j'étais là dans les débuts là. Mais et là, toi, qu'est-ce que tu leur réponds à ces mecs là? Bah, moi, la première chose que j'ai envie de leur dire. Moi, franchement, y'a pas de soucis, c'est normal de pas toujours vouloir regarder de la Twitch. Moi, quand un mec me dit c'est de la merde, j'aime bien les gars, pourquoi? Je veux comprendre, t'as capté ou pas? Okay. Moi, je me dis juste, c'est des fois, frère, peut-être il a envie de regarder une série plutôt que de regarder live Twitch à ce moment-là. Oui, bien sûr, mais quand un mec il dit c'est de la merde, genre, moi, j'aime bien lui dire pourquoi, j'aime bien savoir. Ok, ouais. Et là, il doit sortir des arguments. Mais il a pas à me convaincre. Si, là, y a un truc qu'il aime pas. Du coup, Yacine, pourquoi t'es. Bah non, du coup, Yacine, on va pas faire semblant, pourquoi t'es moins sur les lives maintenant? Bah, moi, il a le buzz. Exactement. C'est pour ça. Déjà, j'ai l'école. Ouais. Après, tu vois, non, ça rien dire ça, mais. Ouais, surtout que dans le troisième. Ouais, parce que. Je sais pas. C'est vrai, exactement. Parce que je suis occupé. T'es occupé, tu fais quoi? Valti, hein, donc ça veut dire. Valti, hein, travaille à temps plein. De 20h. D'ailleurs, c'était comment? J'ai vu que vous étiez au truc au Arès, là, de ouais, même à Paris. Trop mignon, Arès, Yacine. Oh, qu'est-ce que c'était incroyable. Hey, mais attends, j'ai une question. Parce qu'après, Balti, il a fait des photos avec les combattants, frère. Il a fait avec le mec de Joy Factory, là. Il a fait avec le avec Baki. Il a fait avec Imanov. Je connais Muller. Ça, Gerd ou Thomas? Non. Ah ouais? T'as fait une photo avec Thomas Muller, toi? Vas-y, montre. Parce que ma mère, ça, c'est Thomas Muller. Ouais. On allait en Allemagne. Quoi? Mais comment une daronne, elle a son joueur préféré, c'est Thomas Muller? Thomas Muller. Mais comment elle aime Thomas Müller? Elle regarde pas les matchs du Bayern Munich quand même, personne. Déjà personne regarde la Bundesliga. Regardez l'Allemagne avant le foot.
la Haja, elle kiffe d'ouf la bombe, les gars. Pour elle, pour la daronne de Yacine, Anthony Modeste, c'est un vrai attaquant, voilà. Il est archi bon. Bah déjà, je te permets pas déjà. Déjà, ouais, déjà, de 1, je te permets pas. Et de 2, on a arrêté de rigoler sur la mère de Yacine. Déjà, on rigolait sur Anthony voilà. Modeste. Et de 3, on espère que l'habit qu'on va acheter à Yacine va plaire à sa maman, à la tata. Merci. Voilà. T'es venu prendre son fils sans pâtisserie, sans. Et bah, tu sais quoi, je vais acheter un gâteau ou des fleurs. Et à ton retour, tu vas la donner à ta daronne. Et je te parle sérieux. Plein de gâteaux, hein, des éclairs au spéculoos, tout frère. Merci. Bah, tranquille. Et la peur, c'est des chouquettes, ça va, ça le frein. Elle vous remercie d'avoir. C'est vrai, parce que pour l'anecdote, Samy t'étais pas là. Ouais. Hier en fait on devait faire le live relooking. C'est nous la remercier au cas où. Et on était chez Hamza. Devant chez Yacine. Et en fait du coup c'était trop tard. Du coup on s'est dit bon, vas-y on va live chez Hamza. On prend Yacine avec nous. Yacine il appelle sa mère, il lui dit ouais maman est-ce que je peux aller chez Hamza et tout. Je vais live, mais je vais sûrement rentrer tard. Et sa mère elle s'inquiète, mais elle dit oui. Elle s'inquiète, tu vois, ça se voit qu'elle t'inquiète et tout. Ça veut dire nous on a dit Yacine c'est mieux, vas-y rentre chez toi. Comme ça, demain on frappe ça plus tôt, c'est mieux que ça se trouve, on va tarder et tout. Je suis entre des bonnes mains, maman, t'inquiète pas. Bon, là, c'est des musulmans, je suis entre des musulmans, des bonnes valeurs. Et je t'aime, maman, t'inquiète pas. Nous aussi, on t'aime, Khelchi. Les gars, il est né en 2008, Yacine. 2008, ouais. Il était né comme la personne, il est mort, d'accord. Mais t'es né dans la vie, il y avait la vie déjà. Toi, t'es pas aussi né dans la vie, frère. Oh, mais quand t'es né, il y avait déjà la vie. Tout est derrière, t'as capté ou pas? Ouais. C'est chaud, parce que genre, j'ai des petits cousins comme ça, ils étaient bébés, j'ai joué avec eux, etc. Ils sont nés en 2007, frère. Frère, mais ça veut dire ce gars-là, coup de boule de Zizou, c'est. Il était pas né. T'es pas né, frère. Oh la dinguerie. Ouais, mais toi, t'étais pas né à la première Coupe du Monde de la France, si on parle comme ça. Ouais, mais ça, c'est pas la vie, ça. Ah, si, c'est la vie, quand même. Non, mais toi, j'étais né à l'Euro 2000, moi. La vie, elle s'est faite. 2008, il y avait déjà YouTube, frère. T'as capté, tu vois ce que je veux dire? Smash, tu te rappelles de Smash? Smash. Menteur, c'est quoi Smash. 2008, Cyprien, il faisait déjà des skates, je crois. Ouais. Podcast, ma gueule. Il avait déjà clashé Cortex. Il avait déjà clashé Cortex. Ah, mais j'ai connu. Non, les gars, 2008, du coup, grosse dédicace à toute cette génération, tous les petits qui nous regardent. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Il y a un mec qui m'a fait un pouce levé, ça veut dire qu'ils font du bien, non? Même ceux de 2013, qui ont 13 ans, 14, 15, 16 ans, bref, tout ça. Et là, on espère qu'on ait des bons exemples pour vous et faites pas de bêtises. Merci. Et soyez toujours et respectez les mamans. Et les darons aussi. Toujours respectez les mamans, les papas. Et gentils. Quand et ceux qui doivent des sous, rendez. Et quand tu prends, quand tu te portes garant de quelqu'un, rends les sous. Eh, c'est les gars, c'est une dinguerie comme un négro. Regardez. Je suis pas petite taille, hein. Tu fais 1m combien toi? 1m60. Bah attends, j'ai ma carte d'identité. Et mes cartes d'identité, c'est en avance. Sur ma carte d'identité, je fais 1m88. Les gars, je suis un peu gêné de faire ça parce que les gens, ils vont croire que je suis une star. Oh putain, voilà, c'est la hache, frère. Ça, c'est la hache. On est en flotte. C'est 1m76. Bon, allez, achète. Achète ce que tu veux, cousin. Il y a la kiffe, t'inquiète pas. Voilà, donc là, vous voyez un peu mieux la tenue, les gars. Des godasses, hein. Voilà, t'as des chaussettes. Des godasses. Je crois qu'on va être vannés avant de commencer. Hein. Voilà, c'est quoi ces chaussettes, cousin? C'est des chaussettes. Allez, j'ai froid, venez. Même mon daron, il les met pas, ces chaussettes. Tiens, film, vite fait, j'ai froid. C'est un froid. De quoi? Qu'on me stoppe et qu'on prenne une photo. Pourquoi tu rêves de ça? C'est trop bien. Ah frérot. Ouais. J'ai le bracelet électronique, sinon je serais déjà parti aux Seychelles. Bracelet oui et non. Sinon il serait déjà à Dubaï frère. Nous on est jamais à Dubaï, pourquoi? Parce qu'il y a le bracelet. Ah, mais je crois. Mais c'est un truc de streamer d'aller à Dubaï. Non, on est à Paris, ça peut pas être du monde. On va rouler que ça vient en fait. Non, en fait ça va, j'ai bien habillé. Tu trouves frérot? T'es bien habillé. C'est un plaisir. Bon. Là Yacine, ça va être ton bonheur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là c'est bon les gars, c'est parti. Il y a des marques que t'affectionnes plus que d'autres. Quelle marque? Quelle marque? Nike? Nike. Là frérot, il y a du. Regarde. Là il y a du Levi's. Je te mens pas, je connais pas trop. Donc... Tu connais pas trop? Ok. Levi's frérot, un petit jean, je pense que ça ferait pas de mal. On n'est pas grave zoom, t'es proche de nous non? T'es proche. Là il regarde comme des fous les gars. Oh là il regarde comme des tarés. Wesh, t'es malade ou quoi elle? Allez, prends ce que tu veux. Alors voilà, habille-toi là, je m'énerve. Si on Ralph Lauren, voilà, Ralph Lauren est lui. Ouh, il m'a tapé dans l'œil, sûr. C'est vrai qu'il est pas mal. Il est éclaté. Il peut être pas mal, frère, avec un. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Dis, regarde, vous en pensez quoi? Moi, je te montre. Ah, moi, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là, moi. Pull bleu, tranquille avec ça. Ouais, celui-là, il est pas mal, les gars.
Celui bleu, j'aime bien. Mais moi, j'ai juste un truc, c'est quoi? Je suis pas fan de Woody comme ça. Tu sais pourquoi? Woody, mais arrête de dire Woody, dis pull, Woody, voilà. Parce que. Woody Woodpecker. Parce que t'as vu là, c'est comme ça. Je vais parce qu'il fait froid, tu vois. Mais j'aime pas trop parce que, genre, je sais pas, ça fait. Imagine un adulte qui porte ça. Un truc comme ça. Les gars, moi je pense que ça, c'est très bien brouillassé. Ou ça, tu vois, noir et en plus il se ferme, c'est en mode gilet, tu vois. En plus celui-là il coûte cher, je le connais. Il prend, t'inquiète. Tu peux ? Prends, prends ce que tu veux, frérot, t'inquiète. Je vais vous faire un câlin pour. Merci. La jeunesse, les gars, on fait profiter la jeunesse, c'est important. Bah oui les gars, on préfère qu'on préfère que la jeunesse elle vienne là s'habiller, plutôt qu'elle soit tous les jours sur l'air, à faire des toits, avant de la mort, à prendre des risques. Les gars, il a voilà, les petits jeunes qui n'ont pas de père, ils ont des frères et sœurs, ils vont de la mort pour faire manger. Il est incroyable ce programme là. Il est incroyable, frérot. En plus, il tient chaud. Ça fait, prends le vas-y. Attendez, c'est intéressant de regarder. Je l'ai celui-là. C'est pour ça que je savais le prix. Mais il peut le prendre ou tu veux pas le laisser les prendre? Si, attends, je vais chercher mon. Après ça c'est plus pour les petits. Du coup, attends, on leur montre le premier achat les gars. On montre pas le prix au blue. Premier achat les gars. Tranquille, un fleuret, un petit gilet sympa. Parfait. T'as un pouce. Le premier, allez, les pouces. T'as besoin d'une doudoune pour l'hiver? Elle a l'air de tenir chaud celle-là. Celle-là, elle claque sa mère celle-là. Qu'est-ce que ça donne la galère jeunesse? Elle est beaucoup trop grande. Elle est trop grande, hein. Ouais. Mais je sais pas, je trouve en fait là. Si, elle est en quelle taille là? Wesh cousin, là c'est une couverture là, voilà. Ouais, voilà, c'est. Derrière. En tout cas, t'es sûr que t'as un avec celle-là. T'as pris XXXXXL. Eh, calme-toi cousin sur les tailles, t'as que 10 ans. Ah, mais c'est une chauffante, je crois, les gars. Mais c'est pas. Ah non, c'est un. C'est un anti-vol, connard. Pardon. Non, mais moi. Mais genre, y'a pas des autres tailles que ça? Si, il doit y avoir des autres tailles, viens. Vas-y, ferme-le. Ah, il est bleu marine en fait, il est pas noir. Ah, je l'aime bien. Tu préfères pas noir que bleu marine? Bleu marine c'est mieux en vrai, je trouve. Tu trouves que c'est mieux bleu marine? Ouais. Oh, attends, ça rend comment? Beau gosse, voilà. Là, moi je trouve beau gosse, non? Attends, moi j'essaie avec celle-là. Beau gosse. Il est beau le Yacine. Regardez, il s'habille, hein. Arrête, je vais rougir. Allez, mets-la ta grande pote. Moi je suis pas fan des parkas. Celle-là elle est bien? T'as ouf toi, parce qu'une vendeuse belle, elle t'a dit qu'elle était bien, tu vas la prendre. Le parking, ils m'ont allumé le parking. Combien? 18 euros. J'ai vu un parking, il faut aller payer avant. Oula, 18 euros. J'ai une dégaine de clan des deux. Jugeons le flow de Hamza. Est-ce qu'on n'irait pas, le relooker lui aussi? C'était moi la batte noircie. T'es moi ces chaussettes à lui. Ah ouais, des bonnes chaussettes. Chaussettes quadrillées, on a grandi dans la. Mais je regarde un pantalon comme ça, tu peux acheter ou pas? Je t'aime pas. Ouais, parce que, ouais, mais t'as dit, je suis que jogging, moi. Mais tu sais que ça fait jogging aussi un petit peu. Ça fait pas jogging, ça fait pantalon. Ah, pantalon comme ça, je vais. Je vais laisser passer les humains. Pardon, madame, pardon, mesdames. Mais c'est le petit qui est pas petit, moi, il est tout grand. Mais attendez, mais il fait la taille de Hamza en fait. Ouais, je fais ma taille, frère. La taille de Maïk, de moi, de toi aussi, là. Ah, moi, je suis plus grand, moi. Ça y est, frère, abusez pas, ouais. Ok, là, je sais. Avec, je suis plus grand. C'est un gros bébé, ma gueule. Ah, je suis plus grand, en fait. Il est plus grand que toi, je crois. C'est un gros bébé. Je veux aussi. Ouais, c'est vrai. Wow. Attends, l'épaule. Oh putain. Ouais, je suis plus grand. Oh putain. J'arrive dans le chaud là, voilà. Je pense que l'été, il faut le préparer dès maintenant, l'été. Aussi qu'on le fait. Merci beaucoup. J'espère que ça lui fera plaisir. Hein. Bien sûr, ça lui fait plaisir. Et merci, Di. Merci apparemment d'avoir éduqué un enfant si poli et si gentil. Regarde le polo, comment il déchire. Il a dit, ah, moi, j'aime pas trop, moi. Trop de logos, tu vois ce que je veux dire? C'est un logo, ça déchire, my god. Trop de logos, trop de toi. En vrai, quoi que, attends. Trop. T'as gardé ou pas? Moi, je suis quelqu'un de simple, t'as vu? Quelqu'un de simple, frère. Polo simple comme ça, c'est la classe. Voilà, c'est la classe. Polo simple. Regarde ça avec Il existe aussi en noir. Toi, c'est bleu marine. Tu veux en noir ou en bleu marine? Ou les deux? Non, bah non. Le noir, ça passe partout. Les deux, si tu veux. Si tu veux, c'est les deux. Non, on vise pas. Ouais. Quand même. Pourquoi? C'est pour moi, Et les deux, c'est pour moi. Prends la nuit. Frère, les deux ils sont quasiment pareils. Autant que quelque chose. Frérot, c'est pour moi. Il y a pas de chose, un truc qui est encore mieux. Autre chose. C'est pour moi et l'autre chose, il n'y a pas de choix. Je choisis pas là. Je dois dire que c'est renoncé. Je préfère le bleu. Tu préfères le bleu. Si je veux le noir pour un jour. Comme tu veux, frérot. Les gars, il a choisi le bleu. Il a choisi le bleu. T'aimes bien ou pas? Il est où le défaut là? Il est où le défaut là, madame? Là. Il est très léger, mon gros. Ah. Ah, ça c'est une remise. C'est une remise normalement. Ouais, c'est mieux déjà. Elle est bien. Ouais, t'es beau gosse.
vous faites des lives sur quoi? Twitch. Twitch. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas? Toi, tu veux que qu'ils prennent pas pour moi en fait. Le but c'est le relooking. Là, si une sa on voit plus qu'il y a derrière. Non, mais c'est pour les jours d'hiver. Vas-y. Il va pas mettre sa veste avec ses. Trois, on lui achète une tenue ou quoi? C'est en ce moment, il caille. Hein. C'est la vie. La prends là. Bien sûr, vas-y, prends frérot direct. Non, merci madame. Moi, je me dis que c'était le flou, c'était pas ici la France, tant pour lui. Après, là, j'aimerais bien que. Non, mais dans tout. Ah, les gars, il va pas prendre une tenue. Il prend des habits pour demain, des habits pour. Il va pas lui dire. C'est pas tout ce qu'il achète, il le met en même temps, frérot. Merci madame. Under Armour, frérot, qu'est-ce que t'en penses? Un grand magasin de 420 euros pour ça. Vas-y, frère, arrête de me parler de prix, s'il te plaît. Merci. Moi, je pense que t'as eu trop une image de rebeu. Donc, viens. 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 Mais c'est ce que je veux. Ça, les gars, vous pouvez prendre le téléphone, j'ai des pissés en face. Made... Hey, frérot, c'est du Made in France, ma gueule. Ça, ça c'est classique. Est-ce que t'es chaud de changer de couleur? Moi, ça, je vous demande. Bien sûr. Est-ce que tu veux tenter un truc? Attends, est-ce que tu veux dans ta vie, tu veux tenter quelque chose? Parce que moi j'ai passé dans du swag de ouf. J'ai envie de en mode copé, méné. Bien sûr. Viens, on va voir. C'est vous me relouquez, je vous fais confiance, les gars. Vas-y. Eh, j'ai pas un caddie, hachek, la veste elle est plus lente que moi, frère. Pose la veste, comme il y en a t'inquiète pas, moi, t'inquiète pas, mon loup. Non, même, j'aime pas trop 420 balles pour ça, il y a mieux. Eh, je te dis, Cybergoss, il régale, mec. Vas-y. T'inquiète même pas, mon loup. Oh là là, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est la plus belle veste du monde, frère. S'il vous plaît, les gars, regardez comment la veste elle envoie, s'il vous plaît. Ah, madame. Waouh. La veste, elle envoie de feu, frère. S'il vous plaît, arrêtez. Attends. Même en marron français comme ça, elle tue. Mais elle. Oh, celle-là. Mais elle, wesh, mais les gars, c'est la belle veste du monde. Ça fait Gucci, mais c'est la coche. J'aime beaucoup. Ça coûte quand même au moins 200 balles, je pense. Ouais, monte la veste. Ah, t'as vu quand je l'ai vu? C'est pour ça que je t'ai dit pour aller venir vers ici. Je te fais confiance, toi, t'as de bons goûts, toi. Bien sûr. Tu mets un jean, petit t-shirt, tu mets ça par dessus, t'éteins tout. On l'achète en deux, pourquoi t'as le brevet pour rien. Eh ben là, t'es vraiment la star du collège. Oh lolo, je peux l'essayer? Bien sûr, t'essayes, frère. Et même comme ça, hein. Ah, mais en fait, celle-là, elle fait plus veste en mode veste de survêt, celle-là, elle fait genre chemise. Ah, elle fait classe. Frère. Ouais, parce qu'il y a le col en fait, c'est le col qui fait une gifle comme ça. Bah oui. Ça, tu le gardes ouvert, les trucs comme ça, avec des cols comme ça, tu le gardes ouvert, ça pète. Ah, ça, ma mère, elle va être choquée et tout. Bah ouais, frère, ça y est, ça suffit le PSG, survêtement, ouais, ça. Là, t'es quand tu veux rester avec la famille, t'es bien. On dirait un ambassadeur, wesh. Après, t'as vu, là, c'est parce que t'as un truc du PSG. Ça sent pas, garde ouvert, t'inquiète. Ouais, si, ouais. Ça se ferme, mais. Mets bien le col. Respecte le crocodile. Mais je pense que quand tu vas la porter, ça sera ouvert. Peut-être un truc noir. Après, la taille, c'est moche, là, avec. Oui, mais c'est normal. Mais regarde, là, tu mets, je sais pas, un truc noir. Un petit t-shirt Lacoste. Juste un t-shirt. Ah, dis-le si tu veux que j'ai Lacoste. Voilà. Je peux essayer la noire. Donc là, il veut essayer celle-là. Celle-là, elle est belle aussi, celle-là. Moins 30%. Franchement, ces deux-là, là, c'est. C'est beau. T'aimes bien? Après, c'est vous, ce que vous en pensez quoi? Sincèrement. Attends, on va voir ce que j'ai dit. En fait, elle est belle aussi, la veste, mais j'aurais préféré, c'est un truc sur l'autre. Soit avec l'autre. Mais attention, tu mets avec quoi? Ça fait pas qu'il va avec, non? Là, j'avoue. Elle a pas de bas, cette veste, madame? De bas. Mais ouais, mais y'a pas un truc tiens, tu sais pas? On peut enlever un truc moins. C'est quoi ton père? Ah frérot, tu regardes pas les tailles que je prends? Ah non, je regarde pas. Bah enlève. À moins que tu veux, vraiment les garder parce qu'il est grand comme ça, mais il a que 14 ans en réalité. Ah, c'est un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé, hein. Il mange bien. Même elle est flexible. Je peux bouger. Elle est bien, frère. Elle est bien? Moi j'aime bien, moi. Ouais, j'étais un ouf, toi. C'est moi qui ai le téléphone du live. Pourquoi tu me dis ça? Ah merde. Pardon. Ouais, je serais chèque, frère. Bah, de TikTok, ça fait le mec avec des principes et des valeurs là. J'ai dit aux meufs que t'as moins TikTok. Ok, mais est-ce que c'est pas bien ce que je viens de dire? Est-ce que j'ai dit que. Bah non, frère. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En plus, je suis d'accord avec toi. Non, celle-là, pour moi, il faut la garder celle-là. Tu veux en M? Non, mais oui, mais genre la taille. Ah, celle-là? Ah, comme ça, M. Ouais, comme ça, elle est bien. Vas-y, tiens, juste lève ton bras. Ouais. C'est bien, mais genre, je sais pas si tu pourrais la garder en fait. Bah ouais, frère, quand même. Pour moi, je la... Ouais, remarque, M, c'est bon. Faut juste pas que tu prennes du poids. Exactement. Vas-y, viens. Du coup, t'as préféré t'as frangé sur celle-là avec celle-là? Ouais. Parce que plus grand, en fait. Non, c'est pas plus grand, mais genre, pour le modèle. Parce que celle-là, ouverte, avec un truc noir, elle serait vraiment bien, tu vois. Mais il y a une taille plus grande ou pas que celle-là? Et bien sûr qu'il y a. Parce que celle-là, je pense que ça fait trop... Ouais. Ben ça fait banlieusard, André, ouais, t'as participé aux émeutes pour Zia Tribuna, frère.
Vas-y, change de style un peu. Ouais, voilà, vous avez raison, je vais prendre ça. Ah, mais elle est bien quand même, tu vois, ça change. Pour partir sur un truc streetwear, mais pas trop. Édition, je vais passer pour un son bien, ça. Non, je peux pas, mais là, frérot, ça touche à la matière. Ça, c'est à l'envoi. Ça, c'est. Mais les gars, ma matière préférée, c'est pas les maths, c'est pas la géo, c'est la soie. C'est la soie. Mais c'est pour l'été, je te dis, ok, mais là on a un. Okay, bah, mais Aïe, c'est que regarde celle-là, frère. C'est Snoop Dogg qui te voit avec, il pose des questions, frère. Mais voilà. Ah, tu vois, je vois un enfant de 15 ans avec, ça, avec ses amis, je nique ça, je nique single. Voilà. C'est quoi? C'est pour les mecs qui ont tout dans leur vie, ça. Après, t'as vu. C'est pour les mecs qui ont 2 ans de prison. Ils ont 20 000 dans le fond. En fait, je veux que Yassine devienne swag. Il envoie celui-là. Il envoie. T'es moi, il me check carrément. Regarde comment il envoie Hedda, frère. Ah ouais? Diesel en plus. Diesel, moi, sport, motosport. Je suis choqué que tu préfères la doudoune et la veste et le gilet noir à la au gilet Lacoste qui faisait Gucci là. Si ma gueule, après, regarde, gros, et ils viennent sur le chat, ils disent quoi? Hamza, pourquoi ta skin Air Routine? C'est quoi tes habits? C'est quoi ta référence? Parce qu'ils kiffent ma gueule. Ils kiffent la dégueule, ils kiffent le feu. Et pour des mecs qui viennent sur le chat voir ma gueule d'arabe, ils me demandent ce qu'est ma skin Air Routine, c'est qu'ils m'aiment, frère. Kéma, chouffe la. Kéma, celle-là, elle dit. En fait, j'explique. Yacine, regarde, filme bien, s'il te plaît. Il y a les gens normaux et il y a nous. Les gens normaux, ils marchent, ils font comme dans les normaux. Et de temps en temps, ils sont choqués parce qu'il y a nous. Nous, on détruit tout, ma gueule. On détruit tout, cousin. Et là, je suis habillé comme un gueuche. C'est quoi un gueuche? Comme là, je suis habillé, là. Parce que tu connais moi, c'est pas. Là, mind the gun, on veut pas, on veut juste pas avoir froid. Parce que je pas en plus, on a tous dormi dans la même pièce. On a pas à se faire reconnaître, t'as vu? Tout le monde a des habits du quotidien. Ouais. Mais demain, il y aura des événements, ma gueule. C'est genre, il y a un Arès, par exemple, un Arès, t'es invité à Arès. Gros pull diesel, jean troué de Schmetz, grosse paire. Tout le monde te voit. Pas besoin d'aller jusqu'au truc un peu trop moche, comme ça. Mais t'as vu là tout à l'heure la veste ouverte là? Ouais. Tu mets veste ouverte, t'as vu, elle est spéciale vu qu'il y a des rayures. Tu la gardes ouverte, t-shirt noir, bon pantalon. La veste en cuir à Maître Gims. Il a écrit désolé avec celle-là. Oh. Les gars, j'ai des gold pour bonne paire, hein. Mon fils tapait la veste en cuir de Despolous. Elle tue cette veste, frère. Elle envoie de ouf. C'est des sarcelles. Jean Gabin, c'est une galine en plus. Mais les gars, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que Yacine, il a 14 ans, il a pas 41 ans. Regarde les godasses. C'est pas le 14. Regarde les godasses. Incroyable. Incroyable, hein. Incroyable, hein. Incroyable. Yassine, regarde, je vais aller à la cabine, je suis en train d'écouter, ok? Comme ça, à la fin, Yacine, il va juste ressembler à un ref. Yacine, il va ressembler à un ref. Godasse ou chaussures de baiser? Chaussures de baiser. Ah, merci. Je vais me prendre ce pull diesel. Je vais mettre cette veste en cuir en même temps. Oui, bah oui. On va lui faire Yacine, un smoking, un Maître Gims, un tout. Ne faites pas habiller comme si j'avais 30 ans, les gars. Frérot, vous avez 30 ans, frère. C'est déjà habillé comme un gérant de snack. On dirait un gars du PMU, la tête dehors, frère. Là, tu sais, tu fais quoi? T'arrives au PMU, Guingamp il bat Paris et tu dis, ah, j'ai Paris contre Guingamp, tu mens. Voilà. T'es un montant, tu fais. Là, t'arrives au PMU, tu dis la 14. Claire, vas-y, compte, petit éclair, j'ai Paris sur toi. Tu vois? Petit éclair. Bonne de face. C'est quelle taille celui-là? Je connais les chevaux. Hein. Ouais. C'est vrai que là, c'est vraiment trop simple. Hein. Mais quelle taille? Ils sont les tailles. Pourquoi ce magasin n'a pas de taille là? Il n'y a pas de taille, je suis choqué. Mais en fait, des trucs de soie, il n'y a pas de taille. C'est juste. Ah, c'est du S. C'est quoi comme taille toi? C'est une taille, juste c'est long. Lui, c'est du M. Hein. Imagine, lui achète ça. Ouais, c'est Cyprien. Veste en jean. Arrête, moi aussi, mets des vestes en jean, frère. Ouais, mais toi, tu fais comme Leonardo DiCaprio. Ouverte. Ouais. S'il la ferme, c'est Cyprien. Ah, s'il te plaît. Yacine. Quelle horreur. Je vais mettre ce pull blanc avec cette veste. Mais quelle horreur, le pull. Tiens. Mets le pull blanc avec cette veste. Il connaît la mode. On va voir la cabine d'essayage. T'en as vraiment. On va bien lui aller, voilà. Le petit Yacine est en train de se changer dans une cabine d'essayage. Il va revenir et on va voir comment il sera sapé. Les gars, je crois qu'on lui a pris là, on lui a pris pour. Je crois là, il y a 1200 euros d'habits là. Entre la veste, on avait pris une veste Lacoste à 500 euros. On lui a pris le pull Ralph Lauren là à 180 euros. On lui a pris des pulls là à 100 euros chacun. On lui a pris une paire à 150. Franchement, les gars, là, je suis allé voir dans la cabine d'essayage comment ils sont en train de les habiller. Franchement, bizarre, hein. Bizarre. Ils vont vraiment faire un petit MC Jean Gabin et pas terrible. Vraiment pas terrible. Il y a une scène bizarre là les gars, je vous explique. Il était dans la cabine et vu que j'avais mon cache-cou, et Hamza il avait sa capuche, et y a un mec qui est venu nous voir et qui nous a dit qu'il est venu nous surveiller, mais pendant la cabine des sages, pendant que Yacine était en train de se déshabiller. Et là il a appelé, et là Hamza ça l'a énervé. Et le mec il a ramené des gens de la sécurité, etc. Du coup il me regarde mal. Du coup je bouge pas trop là. Ah regardez, il est encore en train de s'énerver là en fait. Wesh, pourquoi Yacine il est pas habillé? Pour rigoler, mais voilà. Mais non, vous voulez le voir, mais. Est-ce quoi? On a dit voler, c'est interdit, la meilleure, on a.
On a un bonus. C'est un cabine quoi. Tranquille les gars, tranquille. Juste la prochaine, juste la prochaine fois, faites plus vite si c'est pour pas vous. Ah du coup je vais prendre le pull. Voilà, imagine j'étais tout nu, imagine t'étais tout nu. Là il fait rigoler voilà. Bah ouais. Tu préfères le rouge ou le bleu ou le gris façon? Celui-là. Mais lui aussi il pète. Bah là on prend les deux. Allez c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses pour le coup? Un petit survêt. Tranquille. Non mais les gars là la bière il va pas ensemble là. Faut que ça faut que tout s'allie. Faut que tout aille ensemble. Ouais ouais, pourquoi ça on a un look final comme ça il ressort BG parce que. Cousin, il y a 8 pubs. Tu veux tout lui faire porter ou quoi? Ta gueule là. Moi je te le dis avec ce pull blanc frérot. Avec ça moi, pour que ça fasse ressortir un peu ton teint, j'imagine bien ça. Ah ouais, tu veux l'enculer. Ça tu vois, ça c'est bien pour se redorer une image de bon citoyen français. T'as vu, tranquille. Tu veux bleu, blanc, rouge. Tu vois le. En plus le gars de t'as vu bleu, blanc, exactement, bleu, blanc, rouge. Pourquoi pas? Tu sors comme ça, on dirait un millionnaire qui prend son survêt. Attends, tiens-moi ça, j'ai vu une folie au loin frère. T'as vu quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Le chat? Vous en pensez quoi les gars? Oh putain, je vois ce qu'il ramène. Ça c'est de la bonne bonne veste. Si si si, bien là, va voir. Juste va voir. Non, je vous jure, en fait, moi, les gars, T'aimes pas, Yacine? Tu n'aimes pas ce que je te montre? Ouais, ça, j'aime. Ça, mais t'aimes quoi, toi? Tu es sérieux, Yacine? Mais ça, c'est des trucs pour vous. Moi, je suis. Mais ça, c'est le. C'est quoi pour nous? Voilà, c'est quoi pour nous? Voilà, c'est quoi pour nous? Tu écoutes Nick, toi, quoi? J'ai des goûts simples en mode, j'ai une veste comme ça. On est pas simple, nous, on est des mecs superficiels. Mais je crois qu'il veut mes habits, en fait, voilà. Ouais, je crois qu'il veut. Il touche mes habits, voilà. Non, tu veux la voir, je t'ai vu aussi, c'est ça? Tu veux les queues de la cire? En plus, il y a un tube respiratoire qui l'a respiré. Wesh. Si tu veux avoir une bière sans mettre la bière, parce que. Mais après, c'est à dire pour que ça va pas avec nous. C'est bon, on a compris qu'il y a une racaille, vas-y, va chez la coisse, ça casse pas les couilles. Ça, c'est de la bonne paire. Ça, c'est de la bombe. J'aurais pris la veste tout à l'heure, ça serait bien. Là, c'est de la bombe, bébé, c'est une paire, tu la prends, t'écrases le bitume avec, tu colles le macadam. Mais ça, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, frère. C'est la paire, elle est trop petite. La cicatrice, ils ont enregistré. Elle est trop petite. Non, mais il y a deux pointures, j'imagine. J'imagine, il avait pas ça, pareil. J'imagine. Bon, c'est bon, il avait pas. À chaque fois, tu vas acheter des trucs au hasard et tu vas dire, on verra si ça me vient ou pas. À droite. Regarde, il y a des bonnes repées, des bonnes paires. Enfin, cette paire là, c'est pas bien le Fager, même paire de racistes. Mais ça, faut que tu le gardes. Faut pas que tu l'enlèves, comme ça fait avec le survêt. Ah, mec, on a pas le même goût. Je sais pas ce qu'il vient de dire. Il a dit, t'enlèves pas le truc des hommes. Comme ça va bien avec le survêt. Mais j'ai une tube, il a montré que le seul. Montre-toi un peu près. On est pas mal là. Doucement, tranquille, frère. Tranquille frérot, tranquille. Bon allez, sérieusement. Wesh. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il en pense? Alors celle-là. Elle en jette celle-là, non? Et t'as bien le crocodile. C'est du simple hein. Ouais, mais en fait, montre les détails. Regarde, en fait, détails. Il y a un damier. C'est en damier, tu vois. Regardez, il y a les bâtiments dans lesquels on a grandi. Touche ton doigt. Touche. Regarde le bâtiment. Incroyable la repée. La bonne paire, hein. Tu fais ce que tu veux quoi comme pointure? 43, 42, je crois. 43 ton âge? Du 43, voilà. C'est... Ah mais s'il te plaît, t'es mal celle-là. Non, je vais lui demander de la sortir en 43. Mais c'est celle-là, moi je suis vraiment... Qui peut nous aiguiller? Moi, je sais pas en vrai. Ah mais celle-là, elle flingue hein. Mais celle-là, elle tue, voilà. T'as vu, j'ai envie de la prendre pour moi, celle-là. C'est la moins bien, d'accord. T'es malade, toi. Si tu peux prendre une petite paire pour ma mère. T'as dit quoi, toi? Une petite... Les gars... Non, il a dit quoi? Ça, c'est du style. Comment le refaire? Non, franchement, déjà, franchement, courage, parce que t'as vraiment pas de hachma, mais vas-y, avec plaisir. Vas-y, avec plaisir. Aucun hachma. T'es un bonhomme. Non, c'est vrai. Aucun hachma. Je veux pas la daronne. Moi, je te dis, daronne, elles aiment bien les converses. Voilà. Ah, ça dépend. Elle est quoi? Elle est en mode hachma ou en mode un petit peu jeune? Les deux, parfait. En vrai, ouais, moi, je vois. Mais Yacine, prends ça. Karl Lagerfeld, ma gueule. Yacine, prends Karl Lagerfeld. Pour ma mère? Non, pour toi. Non, pour toi. Ouais, ça marche. T'es mal, il y a les Asics à Kill Bill. Ça, je le mange. Ouais, moi, je Imagine une part jaune comme ça. Ouais. Arrête, attends, t'as lavé les mêmes, attends, t'as... Arrête, frère. Celle-là. D'abord, on s'occupe de la part pour la daronne. Moi, daronne, je dis converse. La daronne, elles aiment trop les converses, les daronnes. Ça, non. Direct. Tu veux pas faire la chance. C'est un Smith, hein. Ah, pour la daronne, c'est un Smith. Je vois ça. C'est un Smith ou bien les converses? Elle a des États-Unis, quoi, ta mère? Elles aiment trop les converses. Est-ce qu'elle en a? Non. Ça dépend, elle aime bien. Si elle a plus de 40 ans, c'est celle-là. Et si elle a 30 ans, c'est celle-là. Elle a pas 30 ans, sa mère. C'est pour ça que je te dis. Alors, c'est celle-là. Mais non, c'est Stan Smith, c'est juste Stan Smith. Ouais, Stan Smith. Ouais, Stan Smith. Ça fait du 30. Oh, New Balance. C'est carré pour la daronne. T'es mal, les grises comme ça. Ah, je sais pas. Moi, elle tue celle-là. Juste la daronne, elle lui achète ça, Zara. Des fois, elle va faire un truc de ouf. Wesh, elle va nous écraser la tête avec, frère. Elle va nous mettre que des écrasements de tête. Elle tue celle-là.
C'est mignon de ouf, une maman. Ouais, j'aime bien. En tout cas, ma mère, si ça s'en vient qu'à moi, je m'organise Stan Smith. Je m'organise des Converse. Et pour Saint Laurent, en fait, c'est en bas. Mais j'ai peur, on descend en bas, il n'y a plus de connexion. T'as capté ou pas? Ah, on va le faire en live, pas Daron. Pas Daron, on va le faire en live. En live. Un petit peu grande. Un petit peu grande, ouais, mais alors. Grande, mais un beaucoup stylé. Ouais, très stylé. Beaucoup de style. Non, avec, en plus, avec le bas. Ça laisse passer le bas monsieur. Bleu. Attends, mais colle-toi, colle-toi. Ça, je sais pas. Méchant. Méchant, méchant. Méchant, comme on dit. Laisse-le passer, tranquille, Star. Boum, mèche. Moi, j'ai un jeu. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Pour celui qui paye. C'est quoi? Vous connaissez le jeu? Genre 1, 2, 3. Oui. Et le prochain, déjà. Genre, celui qui arrive à 21, et bah, c'est celui qui paye. Trop dur, ça. Ok, vas-y, 1, 2, 3. 1, 2, et du coup, quoi? T'es con, quoi? Genre, c'est quoi son cul? Ah, pardon, excusez-moi. Mais du coup, je peux dire directement 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, t'as juste 3, genre, tu peux dire. Par exemple, il dit 1, 2, 3, moi je peux dire 6. T'as 3 options, allez, vas-y, c'est parti. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. Vous êtes débiles, quoi? 13, 12. 13, 14. T'as pas le droit de réfléchir vite. Allez! 15. 16. 17. 18, 19, 20. Ouais, je l'ai niqué. Belek, pardon madame. T'es trop fort, check. Allez, je l'ai tué, je l'ai tué de ouf. Ça me dérange pas, les gars. Il y a la black 4 de toute façon, avec les gars. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est lui, tu lui disais propre, c'est pour moi. Ça me dérange pas, les gars. Ça me dérange pas. C'est bon, vas-y, arrête. Ah, mais pour de vrai, tu nous connais? Comment ça se fait? Il aime bien. Pourquoi je connaissais pas? Bah, parce qu'on est pas, on n'est pas non plus. Si, mais Pépi, tu fais que parler de nous. Ah. T'as entendu? Il a dit Pépi, tu fais que parler de nous, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, le prénom Pépi. Tu veux savoir le vrai prénom? Pourquoi? Moi, j'ai déjà cherché sur internet des fois le vrai prénom Pépi, je me mets sur des trucs. Bah, si t'as un doute, tu nous dis le prénom et nous te dis si c'est le vrai ou pas. Là, allez, bien. Parce que nous, on connaît le vrai prénom Pépi. Attends, je vais filmer comme ça, pas qu'on filme les gens, Pépi. Mais franchement, elle est belle. Ah, moi, j'aime bien. Elle est bien. La clé, il faut juste changer les chaussettes maintenant. Ouais, bien sûr, mais les chaussettes là, c'est normal. Les gars, on a joué, c'est Wahid qui paye. Il est là, Wahid. Oh, tu les as, c'est plein. Oh, oui, ça va, désolé. Putain, ça me saoule, c'est... Ah, c'est bon, c'est... j'ai réussi à retrouver de la netteté. Bon, faut faire attention pour streamer les vendeurs. Ses mains sont tellement remplies qu'ils débordent, il arrive plus à... Tranquille, Yacine, pose habit par habit. T'inquiète. Il a pris des trucs, même moi j'ai oublié c'était quoi. Le avec plaisir pour la jeunesse. Avec plaisir. Oui, il y a tout, il y a les baskets, il y a tout. 1027 ou 1270? 1027, c'est pour la jeunesse, ouais, par cas s'il vous plaît. C'est pour la jeunesse qu'on le fait. C'est pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse, madame. Alors là, je suis mort de cette roue. Attends, je vais cacher quand même le code. Non, vas-y, montre pas le code, frère. Mais mets ta main, frère. C'est choqué, 1027 euros. Vas-y, attends, je cache. Mets ta main. Ah, c'est simple. Et c'est même pas caché, frère. 1027 euros, ma gueule. Oula. Attends, il a bien fait le code. Non, je vais refaire. Rincer. Je vais refaire. Oula. Attends, Je vais refaire. Il y a un problème. Ok. Ouais, je vais refaire, s'il vous plaît. C'est moi. Oula, la chaîne, là-haut. Je vais refaire, tranquille. Essaye avec ta carte, frérot. Essaye, je te rends, je t'avance, t'inquiète, je te rends. Je te passe demain, t'inquiète. Essaye avec ta carte, s'il te plaît. T'inquiète, c'est pour la jeunesse qu'on le fait, t'inquiète. C'est moi, c'est moi. Ah, t'as de la compassion, toi. T'as pas peur quand tu fais ses amis. C'est bon, attends. Attends, derrière, comment on fait? Je fais le bon compte, s'il te plaît. Non, voilà. C'est... Je suis là mon con quoi. Mais t'es sérieux toi? Je connais pas ton code. Attends. Non mais je pense parce qu'elle a mal. Et t'avais 3 codes là mais t'es. Oui mon fils. On peut refaire madame s'il vous plaît? Vas-y, fais s'il te plaît, Samy. Samy fait. T'as pas sa carte s'il vous plaît. Comment ça? Paye avec ta carte, Andron. Mais j'ai paye là. Paye ta carte. Donne ta carte et donne, Véran. Tes amis là, paye. J'ai zéro. Essaye avec ta carte là. Moi ça porte monnaie alors. On va te passer les sous là, tu crois qu'on est des voleurs, tu crois on est des voleurs ou quoi? Paye avec ta carte là. C'est pour la jeunesse qu'on attention, fait. Attention. Bien que ça passe. Bien que ça passe.
croise pas, les gars. Chacun, on fait quoi, voilà. J'ai l'espèce. 40 euros. Oh, la coupe, ça coupe, Vas-y, attends. Vas-y, Attends. On peut pas virer un peu pas, on se casse.